Donc je vais finir de... Alors, j'ai mis ça. Correction de acte 107, exode 2. Voilà. Donc la première question, il s'agissait de... Donc c'était ça, ouais. Donc ouais, pourquoi c'était un penché comme ça là, hein? Donc la première question, il s'agissait de calculer le montant des pénas de l'année, ce qui faisait voilà 110. Voilà, on cherchait ça en fait. Prime non acquise qu'on allait reporter et les frais d'acquisition reportés qui étaient de 18 ou de 16,5 selon le calcul. Et la part des sinistres, ça je comprenais pas trop, je sais pas, c'était ça. La part des sinistres, bon, part des questions 2, je suis pas trop impliqué parce que je sais que S sur P. Ah, j'ai dit que j'avais regardé, j'ai pas regardé. Bon, bref, alors, dernière question, il fallait faire le compte de résultats. D'accord. Compte de résultats. Alors, donc on met quoi dedans? Dans les produits, on a toujours les primes. Donc 240, il y a en prime émise. On met moins 110 parce que on va reporter 110 de primes pour l'année prochaine. Alors le 9 c'était quoi encore? Je me rappelle plus. Ah, produits financiers, ouais. Ça c'est prime émise, produits financiers neufs. Cent trente-neuf total des Alors, sinistre de l'année, c'était combien de sinistres? 28 sinistres payés. Donc, variation PSAP 65. Alors, sur 65 là. Ah, ouais, c'est là. Ouais. Donc, la question 2, c'était sachant que la provision pour sinistre à payer était de 65 millions, y a-t-il lieu de construire? Ok. Ça, c'était donné dans l'énoncé. Donc, variation des frais d'ac... Le phare, là, c'était moins 16. Donc, c'est des charges qu'on reporte là. Frais d'acquisition et frais d'administration. Quarante-deux. Ok. Dans ce qui fait 38 plus 65 moins 16,5.
151,5. Alors j'ai mis... C'est 28 plus 65. Mince. cinq, donc du coup résultat est déficitaire et moins 18,5. Pour équilibrer le truc. Okay. Donc ce qui nous ramène au bilan. Donc on sait déjà que dans le bilan, il y aura dans le résultat au moins 15,5 là. J'ai mis 136, mais 139 moins 154,5. Non, c'est que moins 15,5. Ok, plus 15,5. Donc du coup... moins 15,5, comme c'est une perte. Alors, capital social. Soixante. Alors, peinard 110. Compte courtier. Alors, là, effectivement, bonne question. Compte courant, donc il était au crédit. Donc, on doit. Donc, il a 8 là. Il resterait compte courant. Cent soixante moins 15,5 plus 110 plus 8, donc ça fait 327. C'est bizarre ce truc-là. Voilà. Bon. Bon, on va voir dans le passif, dans l'actif, alors, donc il y a le placement. 297. La banque. 14. Frais d'administration, là, frais d'acquisition reporté 16,5. Donc ça fait
Là, ça fait 300. 327,5. Donc c'est-à-dire que de ce côté-là, il manque. Alors, 160 moins 15,5 plus 110 plus 8. Alors, 327,5 moins 262,5. Il manque 65. 65 qui correspond. Ça, j'ai oublié un truc là-dedans. Je sais pas où est-ce que je me suis trompé là. Bizarre. Ah, peut-être que je vais aller faire un truc là. Ah et voilà. Les 65, c'était les provisions pour sinistre à payer. Ouais, voilà. Sap. 65. Et là, ça faisait 327,5. Voilà. Voilà, et là, c'est équilibré. Je n'ai pas vu le PSAP.